Bon, ben, c'est parti pour le VG des cours de Vincennes. On va sans doute s'en croiser beaucoup de revendeurs. On espère qu'on voit du vidéo. C'est parti. Il était combien les jeux ? 5 euros. D'accord. Ok, merci. Hein. Ah, notre service. Bonjour, c'est vous ici? C'est qui? C'est qui est ici en fait? Il est pas là. Ah, il est pas là. Alors ça fait que si on veut acheter un truc, on peut pas. Vous pouvez pas lui dire qu'il vienne? Non. Vous savez pas comment il le fait le prix? Ok, bah ça sert à rien en fait de faire un stand si c'est pour rien mettre. Hein. C'est personne. Bonjour. C'est qui est ici? C'est combien? Ça dépend. Ah, ça dépend. Ok. Les jeux Xbox, c'est combien? Ça c'était... Thank you.
Ah, tu me les as combien ceux-là? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Tiens, bah, regarde. Voilà. Bah, alors c'est comment? Ah. Ils m'ont appris. On va regarder, ils sont tous dedans. Ok, ça me va. Ça t'as vu qu'il est ici? C'est toi le collectionneur? Ça c'est rare ça. C'est une limited run ça, non? Ouais, c'est limited run. Tu vends ça combien celui-là pour savoir? 15€. C'est le quick premier, hein, ça? Ouais. Ça vaut 200€ au magasin, c'est l'original ça. Non, après là-bas c'est le coup de prix. T'es deux. Je réfléchis pour le quick parce que j'avoue que c'est tentant. T'as que ça ou t'en as d'autres? Non, que ça. Ok. Une dernière. Oh bah oui, bah c'est normal. C'est normal. Hein. Ça part vite. Ça. Bah oui, ceux-là oui. Ok. Ok. Ah ça oui, oui, c'est sûr que ça part. Hein. Ça oui. Réfléchis, vais voir. Merci. Hein. Là c'est combien ça? 10€. 10€. J'ai fait combien? Bonjour! Tu fais combien celui-là? Non, il est derrière. Ah, ok, d'accord. Ok. Ok, d'accord. D'accord. C'est à ma fiche. Bonjour, tu fais combien les jeux? 20€ celui-là. D'accord. Et celui-là, tu fais combien? 35, 35. Bonjour, c'est combien les figurines? Sanseiya. 50€ dans la boîte. 50€ l'unité. Ouais. Là où il y a les pièces. Hein. Ah oui. Je crois que ça doit être celle-là. Hein. Ouais, c'est celle-là. Et du coup, celle-là où il a fait à combien vu qu'il n'y a pas les pièces? Bon, il y a juste la figurine. C'est la 20. Ok. Rien que pour la boîte. Ouais. Là, c'est ça, ouais. C'est quelque chose de raisonnable. Oui, non, c'est bien. Ouais. Il y a deux morceaux. Ah non, même pas. Merci hein. Bon bah la brocante est terminée. Elle est là. J'ai le sac
bien rempli. Hop, j'essaie de faire la mise au point. Vous voyez à peu près ce que j'ai. Vous avez à peu près vu dans les vidéos ce que j'ai récupéré. Donc du coup, on va passer au compte rendu. Et là, du coup, là, vous voyez, enfin, c'est le métro. Et je vais prendre et je vais me doucher parce qu'il fait une chaleur. C'est une horreur. Parce que c'est un plein soleil en plus. Donc je vous laisse imaginer l'horreur. Et surtout pour eux. Hein. À partir de midi, 13h, 14h, 15h, ils vont fondre les mecs là-dedans. Allez, tout de suite pour le compte rendu, c'est parti. Hop là, métro. Salut et bienvenue sur la chaîne du CRL Gamer pour le compte rendu de ce vide grenier qui était situé dans le 20e à Croix de Vincennes. Une classique, une brocante qui est très classique que j'adore faire puisqu'à chaque fois je récupère des choses et franchement c'est une merveille d'aller là-bas. C'est génial parce qu'il y a toujours des choses à récupérer. Surtout que là aujourd'hui j'ai récupéré pas mal de choses. Alors on va commencer par le premier. Bon, j'ai déjà préalablement sorti de la boîte parce que avec une main c'est pas facile. Je récupère ceci. Bon, c'est le X-Men versus Street Fighters. Bon, maintenant, hein, bien sûr, comme vous voyez, hein, c'est une boîte repro. Mais alors, le jeu, j'ai un doute. Je sais pas si c'est un jeu repro ou si c'est une vraie. Mais en tout cas, c'est bien le X-Men versus Street Fighters. Alors, ce que je ferai une petite vidéo. Bon, ça sera sans doute en short vidéo où je démontrerai les petites vis et je regarderai à l'intérieur de la PCB, voir si c'est une PCB officielle ou si c'est une carte mode. En tout cas, c'est toujours ça de prix. Bon, je l'ai payé 12 €. Il y avait un autre jeu avec, mais voilà, il est là. Donc, j'ai payé celui-là 12 €. C'était un lot. Et celui-là, je l'ai payé avec celui-là 12 € aussi. Donc, ça m'a fait 25 € le tout. Donc, ça fait 12,50 € à peu près, il me semble. Un truc comme ça. Oui, c'est ça, 12,50 €. Donc voici le Quake, premier du nom sur la PS4. Bon, la boîte, elle est en anglaise. Mais bon, c'est pas très grave parce que le jeu, normalement, il est en multilangue à l'intérieur. Donc c'est pas un problème. Alors il me semble que c'est le Quake. Je sais pas si c'est le Quake version PC ou si c'est le Quake version Nintendo 64. En tout cas, c'est toujours ça de prix. Donc je suis très content de ce Street Fighters et de ce Quake. Alors c'est un jeu US, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Donc du coup, hop, je suis très content d'avoir récupéré ça. Maintenant, on passe au suivant. Et bien sûr, on garde le meilleur pour la fin. J'ai récupéré juste la boîte de ce jeu parce que, bon, bah, malheureusement, le CD, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo. Alors, je sais pas si on l'a bien vu, mais bon, on verra, vous voyez. Regardez, il est pété à plusieurs parties. Donc là, c'est clair que c'est totalement mort. Donc malheureusement, le Injustice, les dieux sont parmi nous en Ultimate Edition. Il est pété à l'intérieur. Donc si quelqu'un possède le CD, qu'il n'hésite pas à me en loose, qu'il n'hésite pas à me contacter pour faire un échange. Donc c'est le numéro Bless 1967 pour les Injustice, les dieux sont parmi nous. Pas les minous. Donc là, on continue avec les jeux PS3. Et on rentre le Rayman Origin. Alors si je veux bien faire la mise au point. Le Rayman Origins. Alors celui-là, je l'ai payé, il me semble, 2 ou 3 €. Bon, ça doit être quelque chose comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses à 2-3 €. Hein. Là, la boîte, elle est nickel. Franchement, propressime. Le CD, il est présent. Par contre, je n'ai pas regardé s'il était... Non, c'est bon, il n'est pas pété. Il est pareil. Il y a juste des empreintes. Il y a la notice. Il est complet. Bah, ça rentre dans le full set. Je n'avais pas regardé si c'est en français. Oui, il est en français. C'est bon. Donc là, c'est bien. Donc la boîtier, il est dans un état magnifique. Donc là, du coup, c'est le numéro 1386. Et franchement, très content de rentrer ça dans la collection de jeux PS3 pour le full set. On continue pour le full set PS3. On rentre un jeu sous blister. Et enfin, c'est pas de la qualité, mais bon. C'est un jeu quand même sous blister. C'est le 2K Sports NBA 2K9. Donc le 2K9. Ah, le CD, il a l'air de se balader à l'intérieur. Vous voyez, il y a le blister d'origine, hop, il est là. Et là, on a les anciens tickets Micromania. Donc du coup, c'est en français. Hop, c'est en français. C'est bon, bah, c'est super, hein. Ça complète le full set, hein, parce qu'il me semble que je n'ai pas le... Ouais, ça. J'ai le 8, mais j'ai pas le 9, donc ça, c'est super. Donc j'ai pas le 9, et en plus, il est sous blister. Et bien sûr, vous doutez bien qu'un jeu comme ça, de basket... Je vais pas le rentrer, hein, donc je vais pas l'ouvrir du moins. Pas le rentrer dans la console, mais pas l'ouvrir.
Donc je crois que c'est tout pour les jeux PS3. Ah non, c'est bon, il y en a encore un autre. Le dernier, et encore sous blister. Hop, on va faire la mise au point. Bon, il ne veut pas faire la mise au point. Hop, il va faire la mise au point sur la boîte. Et voilà, je rentre le Play TV. Donc c'était un appareil qui permettait de regarder la télé sur les consoles. Bon, après, sur la console PS3, pardon. Il est sous blister. Bon, je l'ai payé 2 euros. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le NBA 2K, je l'ai payé 1 euro. Hein. Le Play TV, donc... ah d'ailleurs, j'ai oublié encore un truc. C'est de vous dire le numéro. C'est le numéro 384. Hop, je fais la mise au point. Hop, voilà. C'est le numéro 384. Donc je rentre ce Play TV, on fait un petit appart. Hein. Voilà, je rentre ce Play TV. Regardez, c'est marqué, regardez, mettre en pause et enregistrer la télé en toute liberté. Donc c'est bien sûr en français. Ça, c'est pas commun à avoir. Mais bon, ça fait toujours plaisir. C'est le numéro 96. Donc c'était un petit appareil qui s'est branché sur la PS3 et qui permettait de regarder la télé, alors qu'avec la Freebox, on pouvait la regarder aussi. Hein. Voilà, normalement, c'est tout pour ces jeux PS3. Maintenant, on va passer à des petites boîtes que j'ai récupérées, que je connais d'un brocanteur que je connais très bien. J'ai récupéré les boîtes des jeux Lego Harry Potter années 5 à 7. 5 à 5, comme la boutique. Bon, bien sûr, il n'y a pas la cartouche, mais il y a la notice, il y a la boîte, il y a des petites pubs, tout ça. Et bien sûr, c'est en français. Donc si quelqu'un a le jeu ou qui veut faire un échange, qu'il me contacte. Et la deuxième boîte que j'ai récupérée, c'est Lego Harry Potter années 1 à 4. Donc on a 1 à 4 et 5 à 7. Donc ça c'est bien. Bon, malheureusement, je crois qu'il n'y a même pas la notice là. Si, si, il y a la notice. Il y a la notice, tout ça. Il y a les publicités qui sont derrière, classiquement. Le jeu, bien sûr, est en français. C'est un jeu Lego. Généralement, les jeux Lego commencent un petit peu à côté, surtout les Harry Potter. Donc je les ai pris au cas où, si un jour je tomberais sur les jeux en loose. Donc à mon avis, ça devrait arriver un jour ou l'autre, hein, forcément, je vais tomber dessus par hasard. À part si quelqu'un veut faire un échange avec moi. Et là, on va commencer à rentrer sur... Ouais, c'est que de la... Ah non, il y a un DVD, je crois. Hein. Non. Ah non, il y a un jeu PS2. Tiens, on va faire celui-là. Alors, je sais pas si ça a intéressé LS Gaming, mais bon, pour le prix que j'ai payé... Ah oui, j'ai oublié de préciser, je les ai payés 1 euro, hein, les boîtes. Hein. Du coup, j'ai récupéré ça. Je sais pas si LS Gaming l'a. Par contre, le boîtier, il est dégueulasse, il est poussiéreux. Il est en français, c'est Zone of Enders. Je l'ai payé 1 euro. C'était juste à la fin de la brocante, parce que je suis revenu, hein, je suis reparti, revenu une fois, parce que j'ai pas tout ramené là. Bon, après le reste que j'ai récupéré, franchement, c'est pas ouf. Hein. C'est des jeux Xbox 360, et, bon, bref. Du coup, c'est le Zone of Enders, le CD, j'ai même pas regardé. Il est impeccable, il y a juste des empreintes, c'est parfait. Il y a la petite notice, on voit que c'est un jeu Konami. Ah, c'est dégueulasse au toucher, c'est une horreur. Donc si Alex Gaming ça intéresse, si tu veux faire un échange, ben, n'hésite pas à me contacter. Donc Zone of Enders. Et c'est le numéro 50111. Et je l'ai payé 1 euro. Et tout de suite, on va passer aux jeux les plus intéressants, parce qu'on garde toujours le meilleur pour la fin. Et là, ça va être des jeux que j'ai pas l'habitude de trop prendre, généralement. Mais là, vu la qualité des jeux, franchement, on est obligé, et surtout du prix à la fin. Hein. De toute façon, vous avez pu l'entendre dans la vidéo. On commence par un classique, un Half-Life 2. Un jeu super. Franchement, vaut mieux le prendre sur Xbox parce qu'il est en meilleure qualité. Hein. Franchement, il est beaucoup plus beau en matière d'image. Et celui-là plus beau que sur la PS2. Hein. Parce qu'il me semble qu'il est sorti sur la PS2. Hein. En gros, tu vois, il y a des saletés sur le CD. Hein. Ouh. On voit que le CD a dû être nettoyé. Hein. Ouais, c'est ça. Le CD a dû être nettoyé. Du coup, le Half-Life 2, il est complet, il y a le jeu, il y a la notice et bien sûr la jaquette et la boîte. Hein. Franchement, une qualité superbe. La boîte, elle est super et en plus, c'est en français. Donc déjà, ça fait partie du lot à... Je vous dirai le prix à la fin. On continue avec... Un Buffy contre les vampires. Exclusivité Xbox. Donc, c'est pas sorti sur deux consoles. Donc, il est... complet. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être une petite pub. Je sais pas, je vois un truc blanc, non, ah non, je croyais. Donc le CD, il est pas pété, donc ça c'est bien, il est pas rayé en plus.
Et bien sûr, comme c'est écrit à Buffy contre les vampires, donc forcément, il est un Français. Donc celui-là, je ne l'ai pas jamais joué, mais apparemment, il y a beaucoup de personnes qui le recherchent, ce jeu-là. Mais il ne vaut pas très cher, hein. C'est pas un prix de ouf. Je vous dirai le prix de ces jeux-là à la fin. Donc c'est tout pour la Xbox. Et là, maintenant, on va passer à de la Xbox 360 avec ce Bully. Bully Scholarship Edition. Donc c'est une version améliorée que Canem Edit. Je ne sais pas comment on le dit. Donc je ne sais pas s'il le prononce très bien. C'est assez chiant à prononcer ce titre. Donc du coup, c'est la version améliorée de ce jeu que je viens de vous parler. Donc là, c'est bien parce qu'il y a le plan, il y a la notice. Ouais, c'est génial, il y a tout le truc. Et surtout, le CD, il est... Waouh, parfait. Parfait. Et vous allez voir le prix à la fin. Vous avez dû entendre dans la vidéo, je pense. Je ne sais pas si on entend bien. Vous allez voir le prix à la fin, franchement. Surtout les derniers jeux que je vais vous montrer. Une pépite, hein. J'ai trouvé des pépites, là, ce jour-là. Donc voilà. Ça, c'est le Bully Scholarship Edition. Et maintenant, oui, voilà, je vais chercher les jeux. On va faire celui-là. J'ai récupéré aussi dans ce lot le Condemned, premier du nom. Donc je crois que je l'ai sur PS3, il me semble. Je l'ai, il me semble. Il faut que je regarde. Donc sur 360, j'ai récupéré. Bon, ça sera sans doute pour un échange. Si quelqu'un est intéressé, d'ailleurs, même ceux-là sont sans doute pour un échange. Donc c'est le Condemned, je pense que le CD doit être en bon état vu la qualité des jeux. Tout ça c'est bien sûr au même endroit, hein, bien sûr, vous avez pu le voir dans la vidéo. Il y en avait d'autres, mais franchement après le reste, des Assassin's Creed, tout ça, c'est pas mon délire. Hein. Du coup, il est complet, en parfait état, et surtout il est en français. Bon, il n'a pas de numérotation, hein. C'est juste marqué PAL sur le côté, hein. Donc je ne vais pas vous faire la numérotation comme d'habitude sur les autres jeux PlayStation. Et le dernier, moi. Pas le dernier. Le dernier bon petit jeu, là, c'est des bons petits jeux. Là, on commence à rentrer sur du bon jeu, quoi, quand même. C'est The Saboteur, un jeu qui se passe sur Paris, pendant la guerre. Et franchement, ce jeu-là, je vous le conseille, une tuerie. J'espère qu'ils vont d'ailleurs le remasteriser pour la PS3, avec le PlayStation Premium. J'espère qu'ils vont le mettre parce qu'on va pouvoir se le saboter. Du coup, il est complet. Finalement, il y a un petit truc en plus. Ouais, c'est ça, il y a un truc en plus. Le CD, ben, il est en parfait état. Bon, c'est pas une rayure circulaire, ce que vous voyez. Hein. C'est normal. Hein. C'est sans doute la fin du CD, ça. Mais c'est pas une rayure circulaire. Il est en parfait état. C'est juste incroyable. Franchement, c'est agréable au toucher comparé au jeu PS2 que j'avais tout à l'heure. Là. Bon, bien sûr, il est en français. Et ça, je vous le conseille vivement d'y jouer. Obligatoire. Ça doit être dans votre collection. Et là, on va rentrer sur du très très lourd. Je crois que c'est que du très très lourd, ouais, c'est ça. Là, c'est que du très très lourd. Donc, je vous dirai le prix à la fin. Hein. Déjà, ça fait 2, 4, 5 jeux, déjà. Voici le sixième. Et attention, déjà, on rentre sur de la qualité, puisque c'est le Metal Gear HD Collection. Alors, une fois, j'avais trouvé la boîte, mais j'avais pas les CD dedans. Et là, du coup, bah, j'ai tout. Il y a tout, hein. Ouais, il y a même deux CD. Il y a le Metal Gear Solid 2, le Metal Gear Solid 3... Et en dessous, il y a le Metal Gear Peace Walker HD Edition. Donc le CD, il est nickel. C'est de la perfection, franchement, une pure merveille. Et ce CD-là, pareil. Quelques petites poussières, quelques petites saletés. Rien de très, très bien méchant. Donc ça, un classique forcément à posséder. Donc c'est le HD Collection, bien sûr. Donc c'est une version améliorée de Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 et Peace Walker. Qui me semble qu'il était sorti sur... PSP, il me semble. J'ai trouvé une connerie. Elle est super au toucher. Franchement, super agréable au toucher. Donc, bien sûr, il est en français. Et c'est un jeu Konami. Et justement, en parlant de Konami, il va y avoir d'autres titres que vous avez pu apercevoir dans la vidéo. Vous notez bien. Hein. Surtout pour le prix que j'ai payé. Là, franchement, à cette heure-là, vu les ratisseurs qu'il y avait, parce qu'il y avait pas mal. Déjà, il y avait Alex Gaming. Il y avait Nicky Larson et KickZ et plein d'autres que j'ai vu. Et là, du coup, qu'est-ce que je trouve? Ah, Silent Hill Homecoming. Alors déjà, sur celui-là sur PS3, je ne sais plus si c'est celui-là ou l'autre. Celui-là sur PS3, oui, c'est celui-là. Sur PS3, je l'ai vu à Micromania une fois à 50 balles. Donc, je vous laisse imaginer. Et là, vous allez voir le prix que j'ai payé. Franchement, ça vaut le coup. Du coup, il est... complet, il y a la notice, bon, bien sûr, il y a la jaquette et le CD. Alors ça va être la surprise parce que j'ai pas du tout regardé. Et c'est nickel, bien sûr, c'est pas une rayure circulaire que vous voyez.
C'est nickel. Incroyable. Et alors, trouver ça à 9h, à plus de 9h, franchement, ils n'ont pas bien ratissé, les mecs. Hein, hein, Nicky Larson, tout ça, ils n'ont pas bien ratissé. Hein. Franchement, bon. En tout cas, j'étais content de le voir, le Nicky Larson. Du coup, il est en français et franchement, trouver ça, ça, c'est juste une tuerie. Et Silent Hill, maintenant, c'est devenu très... bon, c'est devenu pas mal coté, hein, maintenant. Et le tout dernier jeu que j'ai récupéré, c'est... le Silent Hill Downpour. Un Silent Hill aussi qui est, que j'avais... bah, les deux façons, je les ai joués. Celui-là, normalement, je crois qu'il est aussi sorti sur PS3, mais je ne l'ai pas sur PS3. Et celui-là que j'ai, normalement, Homecoming. Celui-là, je ne l'ai plus, malheureusement. Je l'avais, je crois, il me semble, à une période. Et du coup... il est complet. Alors attendez, on va faire un truc, ça va être une cascade. Hop, sans rien faire tomber. Et le CD est nickel. Bon, la boîte, il y a un petit peu des trucs là, j'espère que c'est pas des bestioles. Non, c'est, on dirait du tabac. On dirait du tabac. Voilà, il y avait du tabac, il n'y en a plus maintenant. Du coup, il y a la notice. Oh, c'est dégueulasse, hein. Par contre, la tête là du monstre, il est dégueulasse. Et il y a le CD, il est en parfait état. Et franchement, il est en français. Il marquait quoi? Une ville dont le nom est Silent Hill, où le monde ne peut s'échapper à la peur et au tournement. Ne peut échapper à la peur et au tournement. Donc, tout ça, voilà. Donc, ce jeu-là, hop. Donc, ça fait 2, 4, 6, 8. Je l'ai payé tout ce lot. Je vais attendre à ce qu'il me sorte un prix de ouf, hein, parce que déjà, les Silent Hill, c'est des prix un peu pas mal côté. Je m'attendais à ce qu'il me sorte du 100, du 50, du 80, je sais pas, du 70 euros. Voilà, 15 euros tout ça. 15 euros, ça fait même pas, ça fait à peine 2 euros le jeu, je sais pas, ça doit faire un euro et quelques le jeu, 1 euro 80, un truc comme ça le jeu. Franchement, pour cette qualité, rien que cela déjà, je vends juste celui-là, je pense, un des deux Silent Hill. Et honnêtement, ça me rembourse quasiment tout ce que j'ai acheté ce dimanche. Bon, bah, je pense que ceux-là, je vais quand même les garder en souvenir. Et par contre, le reste, ça va partir à l'échange parce que je les ai déjà sur PS3. Bon, c'est vrai que le Silent Hill, je crois que c'est Silent Hill Coming, je l'ai déjà. Et le Silent Hill Downpour. Voilà, moi j'ai la Xbox, donc je pourrais quand même y jouer. Donc il faudra juste que je l'installe. Ou alors que je prenne la Xbox One. Peu importe. Du coup, franchement, pas mal, hein. Donc tout ça, 15 euros, ça c'est fait 2 euros, parce que 1 euro et 1 euro, ça je l'ai payé 1 euro, ça je l'ai payé, il me semble, 1 euro, ça j'ai dû le payer 2 ou 3 euros, bon ça doit être 2 euros, ça c'est sûr que j'ai payé 1 euro, je me rappelle très bien, ça avec la boîte, bien sûr, je l'ai payé 12,50 euros, pardon, 12,50 euros et 12,50 euros, donc ces deux-là c'était 25 euros, donc bon, c'est vrai que c'est un peu cher. Mais quand même ça, Quake, et puis regardez ça, X-Men versus Street Fighters. Donc, et puis j'ai oublié celui-là, bon, par contre il est dégueulasse, je vais pas le mettre dessus parce qu'il est tellement dégueulasse. J'ai passé une lingette dessus, et avec la boîte de, bien sûr, de bon c'est une boîte repro, hein. Franchement ça se voit à des kilomètres, hein. C'est une boîte repro américaine. Hein. Je vais vous montrer un peu comment c'est pas désagréable au toucher, mais bon ça se voit que ça fait chaud, hein, par contre. Hein. On fera une petite vidéo short pour voir ce qu'il y a dans la cartouche. Du coup, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et ce live vide-grenier et ce compte-rendu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire. Et surtout, les amis, abonnez-vous. Parce qu'on est bientôt 300. Et c'est grâce à vous. Merci. Ciao.